C'est à toi. Bouillon, viens, je crois que par exemple dans le nôtre. Laissez-nous parler en privé, s'il vous plaît. D'accord. Gabriel, je sais que tu paniques. T'inquiète pas, j'ai un plan. Le plan, c'est... Cela me paraît un petit peu de préparer. Silence. Monsieur, je suis prêt à lancer le dé. On m'appelle pas monsieur. On m'appelle Teddy Bear. Allez, manger. Pouillel, avant que tu joues, cela concerne aussi Pouillel. Pouillel et Pouillel, vous n'avez pas d'âme. J'ai passé un billet sans Pouillel, mais j'ai oublié de distribuer l'argent. Pouillel vend un billet sans moi que Pouillel. Oui, l'argent. Mais c'est quoi tout cet argent? C'est à moi, monsieur? Oui. Moi aussi, j'en ai. Je vous dirai la somme d'argent que vous aurez plus tard. Plus tard. D'accord. Lancez le dé. D'accord. Je vais lancer le dé. Parti. Deux. Bon, d'accord. Un. Deux. Oh, une carte trésor. C'est pour Yel. C'est un. Merci. Je vais la lire à voix haute. Caisse de communauté. Commission d'experts immobiliers. Recevez 25... euros. Monsieur, vous pouvez me donner 25 euros s'il vous plaît? Oui, oui, bien sûr, mon très cher. Voilà qui devrait te faire prendre. Monsieur, on dit, voilà de ce qui vous... Non, en fait, vous avez raison. Merci pour le pognon. Au revoir. Je vais lancer le dé à mon tour. Ah bah tiens, j'ai fait 3. Il est l'heure d'avancer. République. J'achète, cela coûte combien? 120 dollars. D'accord, j'achète. Merci beaucoup, Frépouille. Nous avons encore des choses dans la banque. La petite touche finale. Ah oui, c'est pas là, c'est là. Tour de lancer le dé. Ah, me tiens 5. Il est temps d'avancer. 1, 2, 3, 4, 5. Chance. Il faut, je te prie d'accepter ceci. D'accord, t'es libère. Chance. Avancer jusqu'à la compa... Attendez. Eh oh, j'ai 3 ans, je suis pas encore bien moi.
avancer jusqu'à la compagnie de service public la plus proche. Si elle n'appartient à personne, vous pouvez l'acheter auprès de la banque. Si elle appartient déjà à un autre joueur, lancez des dés et payez le montant de total de vos dés par 10. Nye, j'ai pas compris. Tu ne comprends pas, Fripouille. Bon, exceptionnellement, je vais changer de carte pour toi. Allez à la gare Montparnasse. Si vous passez par la case départ, recevez 200$. Oh, c'est chouette ça. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Fripouille, tu n'as pas besoin de compter. Je sais. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 400 chaussures vendues plus tard. 76, 77, 78, 79, 75, 74, 52, 53, 54, 14. 3 tranches de laitue mangées plus tard. 1880, 52 millions. La gare Montparnasse. Et j'achète, évidemment. 200. D'accord. Cela ne sert à rien que je te donne 200$, puisque tu me donneras 200$. Ok, très bien. Ok, il faut du pied, après tout, c'est bon. Mi-temps, vous pouvez vous reposer. C'est la nuit. Déjà la nuit. Bon, on va pouvoir en profiter pour parler du plan. Alors, tu m'avais dit que... En fait, j'ai pas compris ton plan. Tu parles trop bas. Fripouille. Je t'ai dit. Je t'ai dit qu'on allait faire exprès de perdre, mais tous les deux. On va truquer le dé pour tomber tous les deux sur la case prison. Cette idée ne va pas marcher. Puisque si on va en prison, on va rester en prison 3 tours. Je n'y avais pas pensé. Que faire? Si on raisonnait, pourquoi pas, mais on connaît rien de lui. C'est juste qu'il s'appelle Teddy Bear. Si on raisonne, je sais pas moi. Si on raisonne, il faudrait essayer de trouver ses sentiments. Peut-être par exemple, fouiller dans sa chambre, un album photo. Peut-être, je sais pas. Fripouille, pourquoi tu me réponds pas? Fripouille, j'étais en train de réfléchir, il y a peut-être un journal intime. Oui, peut-être. Est-ce que... Oh, Fripouille, le regarde. Quoi? C'est le moment d'en profiter. Et on pourrait lui chipper de la salade. Comment ça? Tu comprends pas. Allons-y. Hé, hey, maman, Fripouille! Si on la laitue, si on en prenait un peu. Fripouille, on ne sait pas si c'est empoisonné. Vaut mieux pas. D'accord. Moi. Un journal intime. On va pouvoir voir tous ses grands secrets. Chut. Parle-moi fort, Fripouille. Voyons voir. Tu me manques, Mérilly. Tu ne sais pas à quel point. Pour te venger de tout ce que c'est sa girafe dans ce zoo t'ont fait, je vais me venger sur toutes les girafes du monde. Je te le promets, Mérilly. Et mets bien en sécurité Angela, notre fille. D'accord? Je vous aime fort. Oh, mais c'est horrible.
Il souffre, prends-lui. Non, c'est... on n'est pas vraiment des girafes ripouillettes, tu sais. On est des sortes de trucs mûches, là. Lisons encore un petit peu. Il a écrit du contenu aujourd'hui. Tiens, non. J'espère que tu vas bien, Mérine. Oui, c'est moi, encore. Ouais. Je sais que tu ne pourras jamais lire cet ouvrage, puisque là où tu es, tu ne peux plus le lire. Enfin, je dis ça comme ça, hein, parce que... je sais que tu es parti en Australie, mais quand même, c'était triste. Ma fille Angela me manque, tu sais. Tu aurais pu me la laisser. Je pense à elle tous les jours et je pense à toi tous les jours. C'est vraiment insupportable. Vous me manquez terriblement. Tourne la page, Fripouillelle. Oh. Ce tourson est tellement triste. Oh, encore un petit extrait. Depuis que ces girafes dans le zoo t'ont frappé et qu'on a dû t'emmener à l'hôpital, et quand j'ai su que ces girafes t'ont fait mal volontairement, je souffre maintenant. Ça fait mal au cœur d'entendre ça. C'est trop triste. On va le raisonner sur sa femme et sa fille. D'accord, Fripouille. D'accord.